travaille pour l'Agence spatiale européenne et l'anglais Ewan Monaghan, un ingénieur étudiant en sciences spatiales, sont en mission dans la Mars Desert Research Station, une station qui, comme son nom l'indique, a atterri dans le désert martien. Eh, vous savez quoi ? Mars est la quatrième planète du système solaire. Ouais, et il possède aussi deux satellites naturels. Et en plus, le sol martien est riche en oxyde de fer, et c'est lui qui lui donne sa couleur rouge. Regardez ce qui est écrit, une expédition prendrait 2 à 3 ans. Mars est un monde extrêmement froid, la température moyenne est de moins 63 degrés. Mais vous savez quoi ? Moi j'ai appris qu'on est 3 fois plus léger sur Mars que sur la Terre. Léger ? On ne peut pas respirer sur Mars ? Je vois que la surface de la planète reçoit des doses mortelles de rayons ultraviolets. Mortelles ? Et vous savez quoi ? Il n'y a pas d'eau à l'état liquide, hein ? Il n'y a pas encore d'hommes, il y a déjà des robots. Wow. Hé, les potes, ça serait bien une fois aller sur Mars. Ouais. 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 Et tu crois que c'est possible ? Bah oui, pourquoi pas. C'est dur. Nous sommes en 2030. Guillaume, Henri et Angelo partent s'entraîner. Bienvenue à bord. À bord, mort attachée. Control program confirmed. Des dizaines de la Soulou. Challenger now heading down range. C'est essayé au vol parabolique. Guillaume, es-tu prêt à décoller? 3, 2, 1, go! Après la petite perturbation, vous devez tourner à 48 degrés à l'est. Donc à coller les gars. Bien joué, bien joué. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefaisatelier.be.